mesdames et messieurs, la parole revient au président en exercice de l'Union africaine pour le début de la session d'ouverture. Excellences, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda et président de l'Union africaine. Excellences, Dr. Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Excellences, Monsieur le chef d'État et du gouvernement et des délégations. Mesdames et Messieurs les chefs des exécutifs des communautés économiques régionales, chers collègues de la Commission, Mesdames et Messieurs. Symbolique, ce sommet extraordinaire l'est assurément. C'est la première fois dans la longue histoire de notre organisation continentale et des tentatives de réforme qui l'ont jalonné qu'une session est exclusivement consacrée à cette question. La décision prise en Nouakchott en juillet dernier de tenir cette réunion est l'expression d'une prise de conscience encore plus aiguë de la nécessité pour l'Afrique de mieux s'ajuster aux enjeux de l'heure, qu'ils soient internes au continent ou liés à l'environnement mondial. Aussi voudrais-je rendre hommage à nos chefs d'État et de gouvernement pour leur engagement en faveur de ce processus. Le président Paul Kagame mérite toute notre reconnaissance pour le sens du devoir avec lequel il conduit le mandat que lui ont confié ses pairs. Permettez-moi aussi de souhaiter à notre hôte, le Premier ministre Abiy Ahmed, la bienvenue au siège de l'Union africaine. Je les remercie pour l'hospitalité dont tous les participants à ce sommet sont entourés et salue le volontarisme qui caractérise son leadership, justement en matière de réforme. Excellences, Mesdames et Messieurs, en nous réunissant dans cette salle qui porte le nom d'une icône africaine, Nelson Mandela, nous pouvons nous féliciter du chemin parcouru. Sans vouloir être exhaustif, je voudrais énumérer la rationalisation de nos méthodes de travail, le renforcement de la coordination avec les communautés économiques régionales, la meilleure prise en compte des dimensions genre et jeunesse dans le fonctionnement de notre Union, elle n'est pas franchie sur la voie de l'autonomie financière. C'est certainement sur ces derniers points
que nos progrès sont les plus significatifs. Ils se sont traduits par une amélioration du processus budgétaire grâce à l'implication du ministre des Finances, membre du F15, et une diminution de notre dépendance envers les partenaires, ainsi qu'un accroissement substantiel de la contribution des États membres au Fonds de la paix. Il me plaît à cet égard d'informer la conférence de la tenue hier, ici, au siège de l'Union, de la réunion inaugurale du Conseil d'administration du Fonds de la paix. Composé de personnalités au parcours professionnel remarquable et représentant les 5 régions de notre continent, ce Conseil a pour mandat d'assurer la supervision des opérations du Fonds de la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les chemins ainsi parcourus, nombre de chantiers ouverts dans le cadre de la réforme reste à conclure. C'est précisément la raison d'être de la tenue du présent sommet. Le comité de représentants permanents et le conseil exécutif, qui se sont penchés sur ces différents aspects de la réforme, ont soumis nombre de recommandations. Je loue le sérieux et la qualité des délibérations de ces instances. Dans l'examen des recommandations faites, il est souhaitable que votre auguste organe prenne en compte la nécessité pour la Commission de l'Union africaine de disposer d'un plus grand degré de flexibilité en matière de gestion administrative pour lui permettre de répondre avec plus de célérité et d'efficacité aux défis opérationnels liés à la mise en œuvre des responsabilités qui sont les siennes au service des États membres. La contrepartie de cette marge d'action doit évidemment être une reddition renforcée des comptes vis-à-vis des États membres et une transparence absolue dans la conduite des affaires de notre Union. Il est tout aussi important que le sommet consolide les progrès faits sur le plan financier. Les recommandations du Conseil exécutif sur le renforcement des sanctions à l'encontre des États qui ne sont pas à jour de leur contribution au budget de l'Union ouvrent la voie à une action plus déterminée en ces domaines. Dans le même esprit, il est impératif que le processus engagé pour la détermination du nouveau barème de contribution soit parachevé en février 2019, comme proposé par le Conseil exécutif. De même, ce sommet nous offre l'occasion d'échanger sur d'autres aspects de la réforme, notamment le renforcement de l'efficacité des organes de notre Union. L'objectif est de recueillir vos orientations pour aider l'unité chargée de la réforme à approfondir la réflexion avant de soumettre des propositions concrètes au mois de février prochain. Mesdames et Messieurs, la réforme constitutionnelle est un impératif. Elle est en fait consubstantielle à l'acte fondateur de notre Union. L'Union africaine, faut-il le rappeler, a été créée pour accélérer le projet d'intégration économique et d'unité politique qui est au cœur du panafricanisme. Tout en respectant la souveraineté de nos États, elle part du constat que dans le monde actuel, ces souverainetés chèrement acquises ne peuvent être préservées que si elles sont mises en commun. La nature de notre Union et l'ambition dont l'agenda 2063 est l'emblème exigent donc que notre Union se réinvente sans cesse pour s'adapter à son environnement et maintenir le cap fixé. C'est à cet objectif que participent les différents volets de la réforme, à savoir la recherche d'une efficacité accrue dans notre fonctionnement, la quête de l'autonomie financière pour baliser le chemin du renouveau continental et maîtriser pleinement notre destin, l'établissement d'une relation plus symbiotique avec les citoyens africains dont nous devons améliorer le quotidien et l'impératif de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Au-delà de l'effort porté sur les structures et les procédures, la réforme est aussi et surtout une affaire de volonté politique. En effet, l'aspect le plus fondamental, c'est lui qui va tout changer pour le mieux, est lié à la force du lien que nous établissons entre la parole et l'acte, à la diligence avec laquelle nous nous attelons à la mise en œuvre des décisions prises, à la détermination qui nous anime dans la poursuite des objectifs fixés. C'est animé d'un tel esprit que nous pourrons traduire les aspirations de l'agenda 2063 en réalité,
qu'il s'agisse de l'intégration, à travers notamment la zone de libre-échange continentale africaine, de faire taire les armes à l'horizon 2020 ou de peser de tout notre poids collectif sur la scène internationale. Un des points inscrits à l'ordre du jour du sommet porte précisément sur notre relation avec l'Union européenne dans la perspective de l'expiration de l'accord de Cotonou en 2020. L'esprit de la réforme et ses exigences d'efficacité nous font obligation de parler d'une seule voix sur ce dossier, ayant à l'esprit que tout accord avec l'Union européenne doit s'inscrire dans le cadre de la stratégie conjointe Afrique-Europe, adoptée en 2017 et à la déclaration du sommet d'Abidjan de décembre dernier. La stratégie et la déclaration sont les fondements d'une relation de continent à continent qui servent de levier pour faire avancer notre objectif d'intégration et renforcer nos acquis. Excellences, Mesdames et Messieurs, en lançant la réforme, vous avez soulevé un immense espoir en Afrique et bien au-delà. Les étapes déjà franchies nous confortent dans la conviction que nous sommes engagés dans la voie du succès. Aujourd'hui, les circonstances nous appellent à mobiliser encore davantage nos énergies et à trouver en nous la force nécessaire pour arriver à la destination souhaitée. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Chairperson. I now invite His Excellency Dr. Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to deliver. President Paul Kagame, President of the European Union, Heads of State, Excellency Mr. Moussa Faki Mohamed, Chairperson of the African Union Commission, ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, Sadat Sadat Oliouf Al-Kiram. It is with a pleasure that I welcome you to the 11th extraordinary session of the Assembly of the African Union. I thank the leaders of the member states of the African Union for once again, according to Addis Ababa, the opportunity to serve as your host. I would like to express my gratitude to Chairman Moussa Faki Mohamed for organizing this summit with diligence. Excellencies, the session's strategic agenda is devoted to smoothly advancing the institutional reform of the African Union aimed at fundamentally repositioning it to deliver on the continental goals of achieving peace, development, and ultimately the Africa we want to see, as outlined in our Agenda 2063. Agenda 2063, our North Star, obliges us to ensure that Africa speaks with one voice to propose its interests in the work towards a more just and inclusive world order. On the position in the international arena. We cannot single-handedly survive these hurdles. We have to stand together, and when we do, we will not just survive, but we shall thrive.
The prospect of success rests upon a united Africa. Indeed, we need a fit and active commission to drive our continental agenda and drive its priorities. However, reform does not start and end with the commission. It starts and ends with the leaders who must set the right expectation and tempo. However, to get there, to go from the concrete policy reforms to institutional improvement, there need to be a mechanism of accountability. I am of firm conviction that reform should include accountability, a culture of cooperation, and a passion of implementation is necessary. My administration is fully cognizant and committed to these principles. As such, Ethiopia is undergoing a profound renewal, and in the past 7 months, far-reaching reforms were in place in response to various challenges. We have opened new political space for dialogue, released thousands of prisoners, lifted bans placed upon political parties and media outlets, and unblocked websites. We are now actively cracking down on corruption rings and reforming our judicial system in its entirety. We made significant progress by fully subscribing to the Pan-African vision of not misusing our guns. In that regard, our most significant victory includes putting an end to the war with no casualties but full of victims with Eritrea. Because of this effort, the Horn of Africa region has finally started experiencing a state of relative peace and stability. Its defining features, poverty, volatility, conflicts, will soon be replaced by a new era of wealth, stability, and hope. This lifting of sanctions imposed on Eritrea is an example of this renewal. I want to take this opportunity to thank the United Nations Security Council, the African Union Commission, and the IGAD for their relentless effort in this matter. Thank you. Let me finally single out an essential element of the reform initiative that is close to my heart: equal representation of women in all senior positions. We in Ethiopia, for the first time in our history, have achieved gender parity within our cabinet and transferred key decision-making position to women, which is an exciting new practice. We have a female at the helm of the presidency. We have a female president of Supreme Court, the apex of our judiciary. This particular reform is rooted in the belief that making space for more women leaders is not just a move for the sake of diversity, but it is about doing the right thing. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as leaders of our nations, we work together to earn the guardianship of securing peace in Africa and for creating leverage for our resources to meet our priorities. Ethiopia has introduced visa on arrival entry for all Africans to foster closer and full regional integration. Where mines are markets are fed and are open to solidarity. Regional integration leads
Africa could it's separate. Advances in information, cultural trade, organization, we should understand that cooperation can claim to be self-sufficient in the world. Excellency President Paul Kagame, Excellency Chairman Fakim Ahmad, Excellency Heads of States and Government, ladies and gentlemen, history reminds us that the transformation of the Organization of African Unity into the African Union at the turn of the millennium was a turning point. Over the years, our continental organization, the African Union, has achieved a lot, but is far from where it needs to reach. The good news is that we are on the right track. Reaching our destination requires the driving force of effective, lean, transparent, and meritocratic governance at the African Union Commission. The African Union reform process has been worthy of our praise. This reform is precisely why the institutional reform agenda under the able leadership of my brother and friend, President Paul Kagame, Chairperson of the African Union, is the most critical ever. We all owe President Kagame an enormous debt for gratitude for his leadership and tireless work in guiding the African Union reform process. I'm also grateful to the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Fakim Ahmad, and his team for their dedication and hard work. Several issues are on the agenda of the extraordinary summit: the reform of the Commission, the division of labor between the Union and the regional economic community, as well as the streamlining of our international partnership, including the post-Cotonou agreement, and the new partnership for Africa's development, which will become the African Union Development Agency. The financing decision remains at the heart of the reform. The road to financial independence is long and complicated, and our political commitment to fully implementing the financial decision must be continually reaffirmed. At the core of the African Union reform process is the design and establishment of sustainable financing mechanism to ensure that the African Union not only stands firm on its own feet, but can also shape and drive its agenda. I am pleased to note that the reduction in the level of our dependence on international partners in the light of ongoing process on the scale of contribution and sanctions for non-compliance by the member states with their obligation in this area. In 2012, member states covered just 3% of the African Union budget, but that rose to 14% in 2017. Finance is also high on the agenda for the continental body. However, for this to be sustained, we must create the necessary growth to enable us to continue to do so. Starting with the ratification of the African Continental Free Trade Area Agreement, and by honoring our financial obligations, including by adopting the 0.2 levy through our national legislative bodies. I hope this session will provide further motivation to ongoing efforts to ensure self-reliance through institutional reform. We have massive amount of work ahead of us. Indeed, the most significant and arduous journey lies as we speak before us. Therefore,
let us apply ourselves to make it equally successful. Let's get to work. Merci beaucoup. Shukran jazilan. Amasaknalu. Vanessa. Attending a summit like this. And across the world. I'm pleased to note that we are very much on course. We have passed the halfway point and the end is in sight. But there is still very important work to do. Today, the Assembly will consider detailed proposals for making the Commission itself more effective and performance-based now and in the future. This goes straight to the heart of the reform decision. We would not have reached this stage without extensive collaboration and consultation between the Executive Council and the Commission, with outstanding support from the Permanent Representative Committee along the way. Allow me to commend the Chairperson of the Commission, Musa Faki Mahamat, and the Reform Implementation Unit for this important achievement, without forgetting the member state representatives
at every level who have ensured fidelity to the vision set forth by the Assembly. This is exactly how we should be conducting our business. I wish to conclude with three final points. Excellencies, je tiens à vous remercier. It was your unwavering support that brought Africa's candidate to head the Francophonie, and that was Louise Mushikiwabo, to victory. This shows yet again that when we are united, nothing is impossible for Africa. Second, we welcome the lifting of sanctions against Eritrea by the United Nations Security Council. This action will contribute to the ongoing process of normalization in the Horn of Africa. Thanks to the leaders in this region, beginning with Prime Minister Dr. Abiy Ahmed and President Isaias Afwerki of Eritrea for their courageous actions, and the leaders, other leaders who worked with them. Finally, I wish to extend on behalf of the African Union condolences to the governments and people of Malawi and Tanzania for this week's tragic loss of their peacekeepers. Our thoughts and prayers are with the families of the fallen soldiers. I should also mention that we wish our brother President Ali Bongo quick recovery and continued stability for his country, Gabon. Excellencies, ladies and gentlemen, I thank you for your kind attention and look forward to a productive summit. I think we have come to the end of the opening session. The Chief of Protocol will now direct us to the location for the group photo. Merci, Monsieur le Président. Excellences, distingués invités, les chefs d'État et de gouvernement vont être conduits par le protocole, passant par la salle d'attente. Uniquement les chefs d'État, de gouvernement et de délégation. Parce que la séance va continuer tout de suite après la prise de la photo. Que la sécurité s'assure que personne ne gêne le passage. Je vous remercie.